À 70 km de Paris, Beauvais est un carrefour entre l'Île-de-France et la Normandie. Si les cathédrales furent élevées à la gloire de Dieu, les pierres qui les composent en sont le symbole de la connaissance et le témoignage du message évangélique. Il existe à Beauvais une horloge astronomique. Haute de 12 mètres, l'horloge se compose de 90 000 pièces. Elle fut réalisée entre 1865 et 1868 par un Beauvaisien, Auguste Vérité. Les représentations du jugement dernier qui animent ces mécanismes en font un exemple remarquable. L'évêque avait voulu disposer cette horloge dans un lieu de culte de manière à enseigner aux gens la différence entre le bien et le mal. C'est le thème qu'on retrouve particulièrement dans la scène du jugement dernier, mais on retrouve aussi cette comparaison du bien et du mal dans la disposition de tous les cadrans, de tous les détails, de toutes les décorations de l'horloge. Par exemple, l'opposition du jour et de la nuit, du matin et du soir, de la lumière et des ténèbres.